précédent, le comparo qui n'a pas de sens. 3 fois moins de poids, 3 fois moins de puissance, 3 fois moins de style. On se calme, niveau style, c'est pas moi qui roule en tout terrain sans masque. Ils s'affrontent dans un combat à mort. Carrément à mort, quoi. Le mec est prêt à en découdre, je te trouve un peu chaud là. Un seul sortira vainqueur. Allez, balance l'intro parce que là tu commences vraiment à t'enflammer. Mais avant, tu connais la chanson ? Intro ! Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Voilà, c'était chaud les gars quand même. J'ai vraiment cru que t'étais coincé sous la moto, Tom. Tu sais, moi j'ai une moto moderne, donc quand je tombe, ça appelle les secours. Donc je coupais l'appel d'urgence. C'est pour ça que je suis resté dessous. Les mecs, ils appellent les pompiers. Oui. Et il y a l'agence touriste qui arrive. Hélicoptère et puis Barracuda avec le van. Ouais. D'accord, ok. Bon. Bah non, il n'y a pas cette option. Allez, deuxième essai. Allez. Allez, vas-y, mec. Ouah, putain, Rémi. Fais travailler tes guibolles, putain, Rémi. Part of something new. If we only stand together now. Là ça va être chaud. Ah non, ça va à droite. Tac, c'est là à chaque fois que ça merde. Yes. Oh Rémi, il est en galère. At your house upon the riverside. To see if you are there. Oh. And I wait for the time. T'as vu Rémi quand il a fini mon gars? Ah, il était assis derrière sur les sacoches en mode il a failli le lâcher. Non mais moi il va faire 2 mètres, il est par terre sur le dos avec le souffle coupé l'autre. Putain le chapeau, j'aurais jamais pensé monter ça à des situations tout seul. Non, la fin... C'est pas une montée ça, c'est une BMW. La fin pas très propre, on pourrait la faire propre mais c'est passé. Je pense que tu n'as qu'un point. Le bout des pieds parce que sinon je vais pas pouvoir passer mes vitesses. Ouais. Moi là où ça va être vraiment super difficile, c'est qu'en fait je vais pas pouvoir appuyer sur mes pieds et c'est le seul truc qui te fait monter. Une côte. Mais sinon écrase-moi les pieds. Ouais ouais t'as les bottes mais on va voir mais ça va être compliqué. Tu maintiens à toi fort. Ah oh, ouais ouais bah ouais. Ouais ouais ouais. C'est pas la puissance qui va te dégager mais c'est la montée. Tu mets tes mains carrément ouais voilà comme ça. La seule truc que j'ai pris derrière moi c'est un sac de riz en indo de 100 kg. Bah je pas pense mal. Que c'est pareil. Bonne chance à moi-même. Franchement, bonne Rémi, chance, les gars. C'est moi qui conduis, mais je te dis aussi bonne chance. Ça, en fait, tu vas gainer à mort vers moi. Ouais. Ouais. Je me suis froissé les boules mon gars. Faut que j'aille pisser là. Allez viens, descends tranquille. Ah non, attends, faut que j'aille pisser, j'ai les deux boules, elles sont dans les amygdales. Je me suis froissé les couilles. Je crois que Greg a un petit problème de testicules. Et tu peux appuyer 10 fois plus fort ton épée finalement. Genre en fait j'avais. Ouais ouais d'accord, mais j'avais pas trop besoin d'appuyer, ça allait. Je te dis c'est juste quand t'as. Quand t'as mis les... quand t'as enlevé les pieds en fait. Ouais. Premier essai. Premier essai, franchement. On a dit 3 essais. Je me suis broyé les bourses. Oh la vache. Moins tu ballottes, plus on monte. Ouais.
de molette. C'est impossible. Comment on a fait pour monter? Ah, t'es pas, t'es... Il est monté le chaleur. Magique. Magique. Bien gainé là. Tu sais qu'on s'est loupé en plus. On s'est loupé au début. Il y a tes pieds là? Ouais. Oh, c'est bon, j'ai sympa. En fait, on s'est loupé au début. Et elle a quand même réussi à reprendre. Voilà, c'est chaud par contre. Je pensais vraiment pas qu'elle montrait. Et on a pas du tout abîmé l'embrayage. Hein. On n'y a pas touché. Hein. T'as tout mon poids sur l'arrière? Non, non, t'as pas besoin. Ouais. En fait, moins tu balances, plus t'es avec moi, mieux c'est. Ça va, ça va. Ouais, franchement, il y a nos paniques là, t'inquiète. Voilà. Ouais, mon gars, les pneus, ça y fait, mais laisse tomber. C'est la mouche bien morte là. La mouche bien morte et le pneu, ça y fait grave. Voilà. Alors, monsieur Barreur. Bah. C'était. Non, mais mon gars, j'étais c'est... le premier à pas y croire. C'est droite gauche que t'as pris. Il t'a pas coupé. Oh bah non. Tu peux pas là. Je t'ai vu partir à droite, j'ai fait, il est mort, j'entends toujours le moteur, je fais, mais il lâche pas le con. Oh bah non. Ah non, on a fait deux, et à la grosse marche que tu vois, on a remis la une, on a tout fait en une, mais calme, faut pas la mettre à fond, sinon elle fait ah, tu vois, donc tu mets trois quarts des tours minutes, mais franchement, même moi en haut, on est arrivé, je fais, non mais Rémi, on vient de monter là, je comprends pas là, j'y croyais vraiment, vraiment pas. Bon après, Rémi a été bon parce qu'il est resté gainé, il m'a cassé deux côtes, on est parfait. Non, très joli, franchement, je dois dire bravo. Putain, les gars. Bravo. Putain, ah j'en reviens pas. Ah bah là... Bon par contre, on fait pas 300 km comme ça, je te dis. Lui il les fait les doigts dans le nez, là, moi c'est bon. Tiens, une nouvelle discipline. Ouais. Là, tu sais quoi, ça fait 2 points partout pour cette épreuve. Vous êtes tellement. Mais parce que vous êtes trop bien débrouillé. On a mis 2 points là sur l'épreuve. Mais évidemment, vous avez Mis 2 points. Attends, vous aviez 2 personnes sur un moto, ça fait 2 points. C'est logique. 2 à 4. Tu peux rattraper ça, Tom? Il reste une épreuve et ton épreuve bonus. Ouais. Donc tout est encore joué. Mais l'épreuve bonus. Let's go. Je suis pas sûr que vous mettiez des points chacun. Ah, parce qu'on sait pas ce que c'est l'épreuve bonus. C'est ce que c'est. J'espère que c'est Ardos, à souhait. Connaissant le phénomène, je pense que oui. Allez, on est parti. Alors, pour mon prochain défi, j'ai vu que tu avais fait un test de vitesse avec un SSV. Je me suis fait pulvériser. Ah, bon. je te propose un test de vitesse toujours avec 3 lettres, mais contre une XLS cette fois. Je vais t'éclater. Peut-être, je ne sais pas. Je dis ça, mais je suis pas sûr. Vu comme tu passes à Mach 12 partout. Et en plus, alors, pour te donner confiance, elle a fait le rallye du Maroc, elle finit 12e et elle a fait le championnat du monde d'enduro 2020. What? Putain, mais moi tu sais que c'est pas une moto faite pour rouler vite, hein. C'est pas une moto de course, c'est vrai. Par contre, c'est quand même vachement impressionnant ce truc, mais voilà. Bon, let's go! Thank you.
moi j'étais bien au-dessus de ce pourquoi elle est faite. J'étais loin déjà dès le départ. Ouais, mais dès que je m'égase, tu pars. Par contre, dès qu'il y a un virage, je suis 100 fois plus long que toi. Donc tu reviens sur chaque virage. Ah oui, bah c'est sûr. Oui, c'est clair. Et après, de toute façon, je ne pouvais pas vraiment revenir parce que c'est un nuage de mitraillettes, de cailloux, des balles de fusil dans la gueule. Et j'ai dit là, mon gars, mais je te jure que j'ai vraiment cru que mon bout de doigt était tombé. Hein. J'étais là, ça a fait. J'ai fait, ouais, bah là, je vais pas regarder tout de suite. J'étais en train de tâter comme ça. Ouais, il a l'air encore là, c'est bon. What? Ouais, parce qu'il n'y a pas de protège-main. Bon, voilà, la mitraillette roulante, on va l'appeler. Le AK-47 roulant. Bah là, Greg, je suis désolé. Je pense que tu t'es fait ouvrir. Hein. Là, carrément, comme une boîte de conserve. Je crois que ça nous fait un. L'ouvre-boîte, qu'on l'appelle. 4 points. Ah. Donc, Tom, si tu veux te rattraper, il reste plus que la dernière épreuve, l'épreuve de l'honneur. Alors, je vous dis dans deux mots la finale. Vous allez échanger les dégâts. Quoi? Non, j'ai pas mon permis de char là. Laisse tomber. J'ai alors, pas fait service militaire. Ouais, on fait pas les mêmes épreuves parce que sinon. On va adapter les épreuves. On va te faire une épreuve de franchissement avec la petite XLS. Oh. Et on va te faire peut-être une grimpette. Allez, on verra. J'ai jamais conduit ça, on verra. Allez, let's go. Let's go. C'est parti. Bonne chance. Ah bah là, ouais. Va y en avoir besoin. Qu'est-ce qu'ils font lent ces mecs en vieille moto? Du coup, je sais pas s'il faut aller à ce truc à gauche là ou s'il faut aller tout à droite. Et je vais essayer les deux, on va voir. Ah, c'est chaud quand même hein. Je sais pas comment l'attaquer celle-là. À ta mort. Ah ouais. Tabasse à mort. Parce qu'on voit vraiment pas, mais les marches elles sont balèzes hein. Bon là pour la petite histoire, on est dans le dernier défi lancé par Rémi de Paris. Greg essaye la montée que je vais devoir essayer de monter avec son XLS. Mais déjà pour moi c'est chaud. Alors, pour l'instant il monte pas. Donc c'est un vrai défi. Pourtant elle paraît vraiment pas ouf. C'est pas très raide et tout, mais c'est que putain, c'est tellement éclaté. Parce que moi, je t'arrête vite de l'avant aussi. Hein. Je crois. Tandax de chez Tandax, mais il est monté. Je pensais pas qu'il galérerait autant. Ça fait partie de mes défis GS, faudrait que je la monte en GS. Pas aujourd'hui parce qu'il y a encore du taf, mais vu comment il a galéré à monter, je sais pas si je vais monter. Passer ça en deux, c'est un peu à la vie. Bon bah j'y vais. Ain't no reason to cry alone.
trop bien. Je suis défoncé. Au top. Au top du top, mon gars. T'es allé en haut. J'avais les bouteilles dans les avant-bras. Ah oui, oui. Comme oui, oui, en oui. escalade. Ah bah tu vois, j'avais peur. Je n'arrivais plus à serrer le guidon. Et ouais, et j'ai dit putain, j'espère que ces jambes elles vont tenir jusqu'en haut. Si ces jambes elles tiennent, on y va. C'était bah, mes bras, il n'y avait plus rien. Ouais, j'ai fait que avec les jambes. Deux ficelles, mes bras étaient comme ça. Voilà, et t'as joué tout avec les jambes. Que avec les jambes parce que j'avais plus rien dans les bras. merci pour le défi. Toi maintenant. De rien, ouais. Ouais, ouais. Bravo Tom, t'as gagné tes 2 points. Avec brio, difficulté, mais tu les as gagnés. J'y ai laissé du jeu. Beauté. Maintenant, Greg, t'es prêt à suivre? Voilà. Hector, avec le Charles Leclerc. Hector, le Charles Leclerc. Ça va être compliqué quand même. Hector, mais bon. Le conquérant. Ouais. Hector, il arrive toujours. On va voir si ça va conquérir. On va voir si ça va conquérir. Pour la montée? Allez, let's go. Allez, c'est la dernière manche. Oh, dernière manche. Putain, j'arrive même pas à monter dessus. Ah, j'arrive même pas à partir. Non, non, je peux même pas. Lève ta jambe, mets-la dans le vide et mets ton poids là-bas. Ah oui, d'accord. Non, mais t'es pas handicapé de la jambe. Ah, j'ai pris un gros tour. Ici. Ah, yes. Allez. Mais je fais 20 kilos, moi. Oh, putain. Oh, le truc, toi. Dernière épreuve pour ouais, toi. Là... Je fais dans le froc. Moi, ce que je te conseille, c'est première. La 2, ça sert à rien. Si tu veux essayer en 2, t'essayes, ouais, mais ça vaut 25 000 balles. Non, non, mais moi, je suis tes conseils. Est-ce que là. Mais est-ce la que règle de sécu, si ça va pas, tu cales, tu t'arrêtes, tu mets les pieds. Tu ouais, dois, logiquement, si ça monte pas, ne pas tomber. Voilà. Et la 1, je la mets pas vite. Tout doucement. Moins tout doucement, tu montes. Et elle vite, va pas patiner. Moins tu montes vite, mieux c'est. Ben après, là où c'est dur, c'est que t'as vu, c'est plein de cailloux. Donc il faut que t'arrives à lire les endroits où t'as ouais, du grip ça, ouais, ouais, et les endroits où t'en rends. Dès que t'as du caillou, t'en rends. Dès que t'as du grip, t'en remets. Et elle va reprendre. Alors, si pas besoin grip, de trop d'embrayage. Pas du tout près. Pas du tout près, d'accord. C'est vrai, il y a du couple à souhait. À fond, à fond. Et après, effectivement, c'était vraiment très lent, tu le refais. Mais c'est l'embrayage. Ah bah, très lent, je vais te dire que j'ai tellement peur que je vais essayer de pas être lent du tout. Je te le dis tout de suite. Je vais me mettre ouais, ouais, dans la montée. Full sécurité. Au cas où. Enfin, c'est fin de journée. Dernière épreuve pour Greg. Essayer de monter avec Hector. S'il monte, c'est vraiment très beau parce que je crois que j'ai jamais vu personne passer ici en GS. Pour l'instant, je sais que ça arrivera. Donc c'est vraiment beau geste. Il a un super coup de guidon. S'il arrive à s'adapter la XLS à Hector, ça peut jouer. Mais bonne chance. Oh, tu peux même pas aller faire demi-tour avec le machin. Je te dis, faut monter des chenilles là-dessus. Très très propre, joli ça! Magnifique! Wow! Putain! Pas de gaz, propre. Il a juste pris une trace un peu dure sur la fin parce qu'il a pris pleine marche. Mais super propre. Vraiment super propre. J'ai trop peur de redescendre. Je veux pas redescendre. Magique. On va le rejoindre. Hors de question que je redescende avec ce truc. Greg, je sais pas merci ce que t'en dis Tom, mais je pensais pas qu'il allait. Mais c'est chaud. Énorme, parce que oui, oui, c'est très chaud, t'es monté du premier coup. Je pense qu'il y a un peu de chance quand même. Heureusement que t'as pas de GS, hein, parce que tu ferais mal à beaucoup de monde. Là, ouais, là, oui, honnêtement, je connais déjà pas beaucoup d'instructeurs qui montent. Ah ouais? D'accord. Ouais. Mais vraiment. Ouais, donc c'était dur. J'en avais un bon dans la montée. Mais non, mais même il pas. Il fallait pas faire l'erreur. Même pas, parce que pour le coup, je t'ai pas donné beaucoup de conseils. Si tu m'as dit n'y va pas en deux déjà. Oui, c'est juste que sinon oui, là je me serais éclaté. C'est pas faux, mais direct. Je t'ai pas donné beaucoup de conseils. T'es dans un truc qui est
très dur, c'était dur pour moi de jauger justement de trouver un truc qui challenge un peu, pas trop, mais et du coup je reste un peu sur ma voie parce qu'au final c'est trop facile pour toi. Ouais, mais après... J'aurais pu te faire plus dur, tu vois. Ouais. Donc, je vais converger pour la suite. C'est bon, ça va. Bon, si on doit compter les points, je crois, Tom, que ça te fait 5 points. Et ouais. Greg, ça t'en fait 6. Bravo, monsieur. Bravo, bravo, monsieur. Non, non, il n'y a pas de chance. Le talent a parlé, monsieur. Et par contre, impressionné par ce qu'il fait avec ça, parce que quand je l'ai vu tout à l'heure, juste sur le single, c'est pas de, le fait qu'il monte. S'il monte, ok, tout va bien, c'est cool. C'est qu'en fait, c'est quand il monte pas, la manière dont il arrive à faire demi-tour et repartir. Parce qu'avec une moto normale qui fait 100 kg, tu prends 90% des mecs, ils sont là, ils pleurent. Là, ça fait 280 kg, donc t'as quand même presque 3 CRF 450. En même temps, moi, je compte tout en CRF. Tu veux combien le beurre? 500 grammes, alors ça fait 0,003 CRF. Non mais il arrive, il fait brah brah brah, crac, hop, et il repart dans l'autre sens. Et mon gars, mais 280 mais kilos. C'est vital. Si tu maîtrises pas cette manœuvre là, tu peux pas t'engager ouais, en mais route. Mais pour la travailler, faut t'y mettre. Donc ça veut dire que tu t'y es mis une paire de fois. Il faut oui. oser s'y mettre. Ah oui, ça c'est évident. Ouais. Et là, toi, ce qu'il faut réussir à t'y mettre justement, c'est ça, mais en descente maintenant, parce que ça, ça te fait flipper de ce que tu dis là. Ouais. C'est non, dingue. 200. C'est dingue parce qu'encore une fois, là, je te donne les bons conseils et je te débloque 2-3 trucs. Ça, en descente, c'est une arme de guerre. Alors, pas comme tu sais descendre. Oui, parce que moi, si tu descends, je saute tout. Eh ben, je l'ai vu quand je descendais là-bas avec le XLS. C'était en mode, je suis sur mon DH, sur mon e-bike. J'y vais et bam. Ça, tu fais ça, tu t'éclates là. Ouais, il faut descendre doucement. Une fois que tu as compris que c'était autrement, ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Et ça, c'est ouf. En tout cas, c'est une pure journée. Merci Rémi de Paris pour cet arbitrage digne. Rémi Chapeau White, le juge. Exactement, exactement. Et du coup, j'aurai ma revanche. Pas de problème, pas de problème. Et moi, je te réserve quelques petites surprises aussi. Bah, moi, ce que je propose, c'est que la prochaine fois, tu ailles sur le terrain de Greg et qu'il t'emmène rouler en XLS sur des petits terrains un petit peu techniques. Bah, je veux bien parce que c'est trop marrant à conduire ce truc. Là, bon, j'étais cramé. Mais tu m'aurais laissé un peu de repos et du temps. Putain, j'y serai encore sur le truc pour la passer propre et nickel. Et ça, t'as envie de sauter. Ah oui, on va se faire un bon truc. Il y a une petite crête à traverser, il y a quelques trucs sympas. Et non, j'ai vraiment envie de l'emmener du coup. Et parce une fois qu'on a fait ça en XLS, on fait la même, mais en GF. Voilà. Bon, tu verras les endroits. Je peux te faire un cadeau par avance. Tiens. D'accord, merci beaucoup. Sympa. T'as le treuil qui va là, le j'ai la moteur poulie, les sangles, qui va tout. Non, c'est les bras là. C'est les bras. Donc, non, mais parce que tu vois, là t'en as même pas chié. Non, je suis frustré. Non. Je suis putain de frustré. Il en a même pas chié. Il est monté comme une fleur. Ça veut dire que là c'était noir. C'est un très beau noir. Bah, la prochaine fois, je t'emmène sur du blanc. Mais t'as jamais roulé. Je t'emmène sur du noir. Il passe easy quoi. Ouais, bon. Mon gars, si tu faisais le GS Trophy, tu ferais mal à du monde. Je rentre à Paris et je vous laisse débriefer. Bon chance. Bon, bah voilà, internet. J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, je crois qu'on s'est tout dit. Voilà. Bon, putain, mais c'est ma fin de vidéo, ça. J'aurai ma revanche. À la revoyure. Moi, quel dernier mot.